commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Je suis très content en exclusivité de vous présenter cette nouvelle application sur notre équipe de France de football en Russie pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, je l'ai trouvé super génial. J'espère que vous aussi. On va voir que cette application va nous renseigner sur l'état de l'équipe de France lorsque il va y avoir des matchs lors de la Coupe du Monde. Ça va être génial. On va avoir des renseignements en temps réel. On va même pouvoir avoir des micros à l'intérieur du stade. On va tout de suite demander de parler à notre Google Home. C'est ultra, ultra génial. Donc, je vais tout de suite demander à notre Google Home de parler avec. Surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos sur le Google Home. Car aujourd'hui, il nous présente vraiment la super application sur la Coupe du Monde de l'équipe de France de football. On va tout de suite demander à parler avec l'équipe de France de football. Bien sûr, voici équipe de France de football. Bonjour et bienvenue en Russie pour cette Coupe du Monde. On va pouvoir vivre ensemble notre passion pour l'équipe de France. Tu peux me demander la composition des Bleus avant chaque match, la date de la prochaine rencontre, les principales statistiques, la sélection ou encore les records de l'équipe de France. Tu peux aussi ressentir l'ambiance du stade grâce au micro que j'ai caché dans les tribunes. Comment je peux t'aider? Prochain match. Le prochain match aura lieu le lundi 28 mai à 21h au Stade de France contre la République d'Irlande. Il sera diffusé sur TF1 et beIN Sports. Que puis-je faire pour toi maintenant? Écoutez dans le stade. Allons-y. Encore un peu? Non. Ok, on arrête. Comment je peux te renseigner? Statistiques de l'équipe de France. L'équipe de France a gagné 3-1 contre la Russie. Kylian Mbappé a marqué à la 40e et 83e et Paul Pogba à la 49e. Nous avons cadré 6 tirs sur 14 et nous possédions la balle à hauteur de 50%. Comment je peux te renseigner? Micro dans le stade. Allons-y. Voilà donc l'application parler à l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde en Russie. Surtout, passez à vous abonner en espérant que la France va gagner. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous !